Et puis la bonne nourriture pour le mettre à l'aise. Parce que ils ont trouvé en ce dernier un an. La présence de Dieu au milieu de leur vie. Mais si vous devez actualiser le comportement de cette famille par rapport à ce que nous avons, je ne dis pas que nous n'avons pas de centre d'accueil. Mais il y a des chrétiens dans le peuple de voir leur vie de la terre. Si on pouvait les rebaptiser, il faut les rebaptiser. Parce que l'accueil n'est pas enseigné. Il y a des familles où il n'y a pas d'accueil. Un étranger, quelqu'un qui vient pour chez eux, ils vont changer leur vie pour aller venir maintenant avant de vivre en terre. Quand tu dors, ça te met au milieu. Là, tu as mal au cou, au cou, tu fais mal, tu es tu vas plus jamais passer là-bas. La nourriture est sélectionnée. Où il y a les camps, les campagnes, tout ça on laisse. Mais on va le préparer, des escargots, dans la vie ici-là. Et ça va être surtout dans le rythme. Voilà. Et puis, lui, avec ça. Je te laisse la bouche, on a dit ça, tu mets dans ta bouche, ça fout dans ta bouche. Au lieu de faire l'effort pour avaler. Et quand tu as gagné le danger pour ça, il ne va plus venir. Et si je passe ce Dieu, il ne vous décide plus. Et dans la semaine, nous avons vu aussi la lecture d'Abraham, qui trouve Abraham et sa femme Sarah, à midi, chaud. Trois étrangers visitent Abraham et sa femme. Abraham court aller voir sa femme. Alors, il faut leur préparer quelque chose rapidement. Moi, je vais aller tuer un beau bras. Le beau bras, c'est pour l'honneur. Mais ça a été pour sa crainte pour l'étranger. Et à la fin, Sarah a reçu une récompense. Cette famille, à la fin de la vie, à la fin aussi, a reçu une récompense. Au lieu de courir dans les évangélisations pour chercher en sort d'enfant, tous ceux qui veulent être enfants, vous pourrez vous mettre chez vous pour courir ces enfants. Simplement la crainte qui doit votre vie. Pour ces enfants, vous ne savez pas que. Et vos enfants, même ne savent pas accueillir. Quand les parents ne sont pas là, donc, un enfant qui réussit à accueillir les dangers, peut-être c'est une éducation, c'est que l'enfant a plutôt au village. Mais si c'est en ville ici, c'est zéro. On ne veut pas capable de donner de l'eau à boire. C'est à modérer pour qu'on l'eau à étranger par mère. On ne veut pas des siècles. On donne de l'eau à un étranger dans le village. C'est la maison, il y a un homme qui est là maintenant, qui s'élève. Il va éparer. Et quoi? Il va éparer, c'est nous. Il va éparer, il va éparer, il va éparer, il va éparer. Tout ça, c'est là. Vous avez les coups pour boire de l'eau. Vous avez les coups pour boire le bon vin. La terre, vous en avez un là. Pas d'eau. On compte aussi que c'est pour boire bandit. Mais ça, c'est la conséquence de l'homme de chacun de nous. Mais plus que nous ne nous visitons pas, nous ne pouvons pas voir. Et nous, au moins, prêts, on vous visite. Par le moment, nous allons voir. Parce que l'accueil doit être charitable. Vous accueillez pour faire souffrir l'autre. Comment un seul père qui vient dans une famille, on ne peut pas un repas de faire pour lui, il a un temps pour manger. Ça, c'est suicide. C'est une invitation suicide pour gré de Dieu. Quand on est de vous seulement, que ah oui, mais on peut manger, tout ça c'est pour toi. Ah mais vous gré de Dieu, vous pouvez voir. Donc au niveau de la paix, il y a beaucoup de choses que nous devons voir. C'est la mesure. C'est la mesure. On n'a pas besoin de le temps de fête. Quand c'est soigné, il y a un peu de sel, un peu de déchet, c'est déjà bon. Dieu l'accepte. Est-ce que dans la deuxième lecture, nous devons encore nous redemander, est-ce que le baptême de Dieu c'est vrai? Nous sommes baptisés pour mourir avec le Christ et ressusciter avec le Christ. Parce que la catéchèse nous enseigne la volonté de l'Église nous enseigne.
Et si nous mourons et ressuscitons avec le Christ, c'est pour une